Bien, alors je suis toujours très heureuse de venir devant vous. J'ai eu déjà un certain nombre d'auditions devant les membres du CESE et je suis toujours extrêmement attentive à leurs travaux, notamment ce magnifique rapport sur la mixité dont je me sers très souvent moi-même pour illustrer et enrichir ma pensée et les réflexions au sein du Conseil supérieur. Alors, je suis ce qu'on appelle un haut fonctionnaire. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a du sens, mais en tout cas, voilà. Je suis à des postes de responsabilité dans la fonction publique depuis maintenant plus de 25 ans. Et c'est vrai que depuis les années 2000, je travaille sur les questions d'égalité entre les hommes et les femmes à des postes extrêmement différents. Mais ce qui explique que j'ai toujours été du côté des pouvoirs publics et du côté de ceux qui font les lois, enfin de ceux qui les proposent, qui font des projets de loi, c'est-à-dire du côté du gouvernement, depuis les années 2000, et que j'ai vu en quelque sorte éclore toutes les lois sur la parité politique, l'égalité professionnelle, l'IVG, la contraception, depuis les années 2000, et également les changements de constitution relativement à l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc j'étais à la fois responsable des services administratifs, directrice de cabinet de ministre en charge de l'égalité, puis inspectrice générale des affaires sociales. Et c'est là où on m'a demandé toute une série de rapports, à la fois sur l'image des femmes dans les médias et sur la parentalité en entreprise, qui est un donc, des rapports sur lesquels je crois que vous souhaitez que nous échangions cette fois-ci, puisque vous avez adopté un thème de réflexion tout à fait passionnant sur l'articulation des temps, le temps des femmes. Je ne sais pas exactement comment il est libellé, mais en tout cas c'est un sujet central, comme l'a très bien dit Madame, votre présidente, quelques temps auparavant. Donc aujourd'hui, je suis secrétaire générale du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle. C'est une instance très ancienne qui a été créée en 1983 par Yvette Roudy, qui est présidée par la ministre des droits des femmes, vice-présidée par le ministre du Travail. Instance qui est paritaire, c'est-à-dire qui réunit les employeurs, les représentants des employeurs, des syndicats de salariés, des personnalités qualifiées et des administrations. Donc, nous sommes une instance qui compte à peu près une quarantaine de membres et qui a une triple mission. Premièrement, nous sommes consultés sur l'ensemble des textes législatifs et réglementaires concernant l'égalité professionnelle, de près ou de loin. C'est à ce titre, par exemple, que nous avons été consultés sur la dernière loi qu'on appelle la loi El Khomri, hein, pour de nouvelles libertés et protections concernant les entreprises et les actifs. Deuxième mission, nous devons évaluer la politique d'égalité professionnelle mise en place par les pouvoirs publics, et ça tous les deux ans. Et troisième mission, et c'est plutôt ça que je vais développer, troisième mission qui a été instituée par Najat Vallaud-Belkacem, qui a élargi les missions du Conseil supérieur et qui a transformé le fonctionnement en 2013 en créant une fonction de secrétaire général, ce qui a permis de sortir le Conseil supérieur de l'administration, là où il était niché auparavant, avec une personnalité extérieure qui est donc secrétaire général, et c'est moi en l'occurrence, et puis surtout une mission de proposition de politique publique, c'est-à-dire que nous devons faire des rapports sur des sujets variés, susceptibles d'enrichir ensuite les décisions publiques en matière d'égalité professionnelle. Trois missions, un organisme paritaire. Je ne vous étonnerai pas en vous disant que le problème central est la petitesse de nos moyens, puisque j'ai simplement une chef de projet à ma disposition et moi j'assure bénévolement cette tâche. J'ai pris ma retraite il y a peu de temps, j'assure par passion pour le sujet de l'égalité professionnelle, mais voilà, c'est quand même une très très petite structure et nous sommes débordés, absolument débordés et un peu épuisés, je dois dire, par le poids de tous les dossiers. Et c'est vrai que nous sommes toujours très à l'affût de tous les partenariats possibles avec les autres délégations. Et si vous souhaitez, un jour ou l'autre, faire un projet en partenariat avec le Conseil supérieur sur le travail des femmes, nous sommes preneurs. Nous avons fait un travail conjoint avec le Haut Conseil à l'égalité sur la place des femmes dans les conseils d'administration. Ça s'est très bien passé, c'était très intéressant. Et je crois que c'est aussi intéressant que de créer des partenariats. Alors, que vous dire du Conseil supérieur, sachant que mon intervention, on m'a demandé qu'elle soit en deux parties, un rappel assez bref donc, de ce qu'est le Conseil et des travaux que nous menons, et puis surtout, quelques développements sur le rapport de 2011 que j'ai fait à l'IGAS sur la question de la parentalité et du temps.
puisque c'est ça qui est votre investissement futur. Alors aujourd'hui, au sein du Conseil supérieur, pour voir si ça peut faire écho à vos propres réflexions, nous sommes sur trois dossiers essentiellement. Premier dossier que je construis dès le départ, même au moment où j'étais toute seule au Conseil Sup, c'est la question du sexisme au travail. Le sexisme au travail que nous avons initié en mettant en place en 2013 une grande enquête auprès de 9 grandes entreprises françaises, 15 000 salariés contactés, hommes et femmes. Et 83% des femmes salariées interrogées nous ont dit qu'elles avaient subi des faits de sexisme au travail. Et 93% d'entre elles nous ont dit que cela avait influencé négativement leur sentiment de compétence personnelle, que ça avait fragilisé leur sentiment d'efficacité. Autrement dit, le sentiment de légitimité professionnelle est profondément atteint par ce sexisme au travail. Devant ces pourcentages, qui étaient quand même un peu hallucinants, 56% des hommes disant qu'ils avaient été témoins d'agissements sexistes, eh bien, nous avons débouché sur un avis fait par les partenaires sociaux et nous-mêmes, puis par un rapport, gros rapport qui est sorti en avril 2015, gros rapport sorti en 2015, que nous avons remis à la ministre des Droits des Femmes et du Travail sur le sexisme dans le monde du travail, et où nous avons établi toute une série de propositions, mais surtout nous avons défini ce qu'était le sexisme. C'est-à-dire que c'est toute une série de comportements, d'attitudes ou d'actes qui peuvent aller du plus anodin, la blague sexiste, l'humour prétendument sexiste, l'humour, jusque à des faits graves, comme, enfin dits graves, et en tout cas qui sont déjà visés dans le code pénal et le code du travail, comme le harcèlement sexuel ou l'agression sexuelle, voire même le viol. Autrement dit, sans parler d'un continuum, bien évidemment, entre ces différents comportements, attitudes et faits, nous avons identifié le fait que le sexisme pouvait partir de ce qu'on appelle le sexisme ordinaire, la minutie du sexisme, l'everyday sexism, qui peut aller, encore une fois, de l'appellation familière à un trait d'humour soi-disant formidable et qui est en fait sexisme, au sexisme bienveillant, à des considérations sur la tenue, etc., sur tout ce qui entoure le quotidien des femmes au travail, jusque à des faits de sexisme déjà avérés et reconnus dans notre droit. Si bien que nous avons, in fine, débouché sur une disposition que nous avons inscrite dans le Code du travail, c'est une grande nouveauté, et c'est dans la loi Rebsamen que cette inscription s'est faite sur l'agissement sexiste, sur lequel nous continuons à travailler, puisque cette nouvelle loi El Khomri vient d'inscrire la notion d'agissement sexiste dans le règlement intérieur, dans le devoir de prévention de l'employeur et dans les missions du CHSCT pour qu'il essaye de prévenir et détecter ces agissements sexistes. Donc on a débouché et abouti sur une avancée en matière de droit du travail. Ça, c'est le gros volet sur le sexisme au travail, sachant que nous venons de recevoir une lettre de saisine de Madame Rossignol. Lettre de saisine qui est tombée pour l'instant dans un puits, puisque nous n'existons plus, le Conseil supérieur, nous étions opérationnels jusqu'au 2 avril. Il faut mettre un nouveau décret, un nouvel arrêté qui va arriver ces jours-ci, mais là nous sommes dans une zone de non-arrêté, donc les membres vont être nommés très vite. Mais cette lettre de mission nous saisit à double titre, c'est-à-dire aller voir du côté des non-cadres comment elles ressentent le sexisme au travail, parce que là c'était une enquête qui visait la population cadre, et deuxièmement, essayer de créer une sorte de guide à destination des entreprises pour détecter et mettre en place des systèmes de prévention du sexisme au travail. Donc ce thème du sexisme, nous le suivons fortement et je crois que c'est extrêmement important parce que autant le mot racisme et le mot homophobie ont tout à fait voix de cité dans l'entreprise, autant le mot de sexisme est très très souvent inaudible. On parle de misogynie, on trouve des périphrases, mais le sexisme est quelque chose qui est toujours considéré un peu comme un gros mot.
Et nous avons analysé dans ce rapport pourquoi la naissance même de ce concept, qui était pourtant créé par analogie au racisme, un concept qui est né dans les années 30 et celui de sexisme a éclos dans les années 60 aux États-Unis, pourquoi ce mot sexisme a tant de mal à émerger correctement. Parce que, évidemment, il met en scène l'interdépendance des hommes et des femmes, pas seulement pendant les heures de travail, mais aussi tout le long du jour. Et que c'est ça qui crée des sortes de résistances très fortes. Et que, surtout, eh bien, les femmes correspondent au seul groupe social discriminé qui est porteur d'une double image, à la fois une image très positive, celui de la mère, de la protectrice, de la détentrice du care, et une image très négative, la séductrice, la putain, celle qui déroute de la voix. Et donc, cette double image du groupe discriminé, il n'y a que les femmes pour le porter. Ce temps du groupe discriminé, qui est un temps constant, alors même que les heures de travail, c'est en gros 8 heures par jour, crée ces ambivalences, ces ambiguïtés et ces résistances fortes à l'intégration du sexisme. On le revoit encore aujourd'hui dans la loi égalité réelle, puisqu'il est question de trouver des circonstances aggravantes et de mettre au niveau pénal un certain nombre de faits liés au racisme et à l'homophobie. Mais le sexisme reste au niveau simplement des incriminations visées par la loi de 1881 sur la presse. Et je me souviens qu'en 2004, au moment, la loi sur la répression des propos sexistes et homophobes et qui créait la HALDE, il y avait dans un premier état de la loi simplement les propos homophobes qui étaient visés et pas les propos sexistes. Et nous avions dû faire des travaux d'Hercule pour arriver à réintégrer la notion de propos sexistes dans la loi pour ce qui est de l'injure, de la diffamation et de la provocation à la haine et à la violence. Donc ça, je dirais que c'est notre grande avancée conceptuelle et que nous poursuivons. Le deuxième axe de travail sur lequel nous sommes aujourd'hui, c'est la question des formations à l'égalité professionnelle. Aujourd'hui, le marché de la formation a éclaté d'une façon incroyable. Pourquoi ? Parce que le défaut de négociation sur d'accord en matière d'égalité professionnelle dans les entreprises est désormais passible d'une amende, d'une sanction pouvant aller jusqu'à 1% de la masse salariale. Cette sanction est très forte et nous avons aujourd'hui toute une série de pénalités qui sont instaurées après une mise en demeure de la directe, mais qui touchent des entreprises et surtout d'ailleurs des PME. À partir du moment où il y a sanctions, les employeurs ont envie de savoir exactement ce qu'ils doivent faire. Et nous avons aujourd'hui appel à des formations égalité sur le marché de la formation, avec une éclosion de structures qui s'intitule « formateur en égalité professionnelle » sans pour autant qu'on ait toutes les garanties nécessaires quant au message véhiculé. Alors on peut espérer qu'à tout le moins ils connaissent le droit de la formation, de l'égalité professionnelle, mais on voit bien qu'il y a des tas de messages sur la complémentarité des sexes, sur le développement personnel, sur le fait que finalement ce sont les femmes qui sont responsables quasiment de leur statut, sans jamais lier ces histoires individuelles de moindre sentiment de légitimité à des histoires collectives de construction des inégalités, que nous avons des messages très ambigus sur ce que sont les stéréotypes. Les stéréotypes ne créent pas les inégalités, ils les légitiment en les rendant invisibles et en les naturalisant. Nous avons comme ça des discours qui sont quand même très ambigus et nous travaillons donc sur une sorte de guide pour les employeurs pour qu'ils choisissent leur formation en fonction de la cible. On ne forme pas des partenaires sociaux à l'égalité ou un CODIR ou un COMEX comme on forme l'ensemble des salariés, comme on les sensibilise. Donc ça c'est notre deuxième travail. Et notre troisième travail, c'est sur les classifications des emplois. Alors là, là aussi, c'est un travail de fond, travail pour lequel nous avons été mandatés d'une certaine façon par la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, puisque lorsque une branche a conclu un accord, elle doit faire un rapport au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle et à la Commission nationale de la négociation collective sur cet accord. Et donc, les partenaires sociaux, dont c'est l'apanage exclusif, c'est évident, la négociation de branche, c'est du ressort des partenaires sociaux, point. Et en matière de classification, il n'y a aucun souci là-dessus, mais notre propos, nous, au CSEP, c'était, et nous avons été mandatés pour ce faire, d'apporter peut-être des bonnes pratiques, un guide de bonnes pratiques, pourquoi ? Pour dénoncer les biais sexistes qui sont à l'œuvre dans les conventions de branche sur les classifications. Et ces biais sexistes, ils sont à l'œuvre
à la fois dans le repérage des métiers, dans la description des emplois, dans la description des emplois repères. Et on voit bien que dans les critères de comparabilité des emplois qui sont de l'ordre de 4 au titre de l'article L3221-4 du Code du travail, c'est-à-dire d'une part les connaissances professionnelles, d'autre part les capacités découlant de l'expérience acquise, troisièmement des responsabilités et quatrièmement de la charge physique ou nerveuse, quand on regarde les critères utilisés, très souvent la charge physique ou nerveuse n'est pas utilisée, ou alors la charge physique, elle est utilisée pour les métiers par exemple de la chimie ou les métiers du bâtiment sur les notions de portabilité de charge lourde, mais en revanche dans les métiers du care où l'on sait bien que porter une personne âgée dépendante est extraordinairement lourd pour les femmes, cette pénibilité est insuffisamment prise en compte. De même les compétences discrètes, c'est-à-dire des compétences qui ne se voient que lorsqu'elles ne sont pas faites, comme le ménage, ces compétences discrètes qui sont dans le savoir-faire, dans la gestion anticipée des conflits quand on est au guichet, les femmes sont beaucoup plus au guichet que les hommes, dans l'industria que l'on met, c'est-à-dire le zèle à faire passer des consignes pour créer une équipe de travail, etc. Toutes ces compétences-là sont très mal prises en compte. On voit par exemple dans une convention de branche concernant les HLM, etc., nous avons un emploi repère qui correspond en gros à des gardiennes d'immeubles et un emploi repère qui correspond en gros à un médiateur qui vient en cas de conflit. On regarde la pondération des critères. Sur la pondération prise de risque, etc., la gardienne d'immeuble a 4, le médiateur en charge des conflits qui vient une fois par semaine, il a 5. Or, qui prend les risques quotidiennement? Ce sont les gardiennes qui sont majoritairement des femmes dans la convention que nous avons utilisée, alors que le médiateur, il vient avec tout son aura d'expert une fois par semaine et finalement le risque est moins lourd pour lui. Et la grosse difficulté de notre travail, énorme difficulté de notre travail, c'est qu'il faut éplucher ces conventions de branche qui sont terriblement compliquées. On met plus d'un an à réviser une grille de classification. Parfois, les branches, elles mettent 2-3 ans. C'est-à-dire qu'il faut arriver à trouver des effets d'écart entre des emplois qui sont cotés, soit à des niveaux très hauts, soit à des niveaux très bas. C'est-à-dire qu'il va falloir faire des repérages comme ça un peu aléatoires, sachant que, in fine, il faut aussi qu'on compare des emplois qu'on ne comparerait pas immédiatement. Par exemple, on peut comparer dans un hôpital l'emploi d'un ingénieur technicien et d'une infirmière pour voir comment sont pris en compte la pondération des critères, la pesée des emplois. Et donc, on veut travailler sur le juste prix des métiers, le juste prix des emplois. C'est pour créer aussi une sorte de guide, sur le juste prix des emplois. Donc ça, c'est un travail très lourd que nous faisons avec la Direction générale du travail, qui nous aide à repérer notamment les bonnes conventions, et évidemment avec tout dans un groupe de travail où nous avons tous les partenaires sociaux. Et c'est un travail de très grande importance, parce que c'est là que l'on voit les stéréotypes de sexe à l'œuvre, et c'est là où ils sont le plus invisibilisés. Et quand on interroge des consultants, vous savez, auxquels on fait appel en entreprise pour réviser sa grille de classification, ils nous disent « Alors là, moi j'ai tout neutralisé, vous verrez, vous allez voir dans la description des emplois, alors là, on ne va pas poindre à aucun moment l'idée que c'est un homme ou une femme, j'assure, c'est neutre, neutre, neutre. » Mais la neutralité, ce n'est pas seulement de gommer le sexe, c'est aussi de ne pas gommer ce qui est aujourd'hui. Alors que c'est une incongruité historique peut-être, ça va disparaître avec le temps, pour moi tout est historique. Mais c'est de ne pas gommer des tâches ou des compétences qui sont majoritairement portées par des femmes, dans des métiers notamment du care, où effectivement ces compétences-là, étant considérées comme naturalisées, sont considérées comme n'ayant pas de valeur. Les femmes le font naturellement, ce qu'il faut bien évidemment. Même la prise en charge d'un nourrisson n'est pas naturelle. Franchement, c'est quand même très compliqué. Il faut savoir par quel côté on le prend. Pas évident au début. Je plaisante. Mais quand même, pas tant que ça. Pas tant que ça. Bon, alors voilà. Donc ça, je dirais que c'est nos trois grands chantiers. Et c'est déjà beaucoup vu notre force de travail. Et nous voulons parallèlement
travailler donc avec des chercheurs, puisqu'on on va recruter dans notre nouvelle mandature un certain nombre de chercheurs, nous voudrions travailler un peu sur, un peu plus que nous le faisons, sur les femmes non qualifiées ou les femmes employées. On va essayer, parce que nous avons, je crois, un tropisme assez fort sur la question des femmes cadres et des femmes et des postes de gouvernance, puisque nous venons également de sortir, et c'est mon dernier point, un rapport en partenariat avec le Conseil à l'égalité sur l'évaluation de la loi Copé-Zimmermann de janvier 2011 et la loi Sauvadet de mars 2012 sur la place des femmes dans les conseils d'administration. Donc rapport qui est sorti fin janvier, début février. Mais nous voudrions maintenant aussi, nous avons fait ce rapport sexiste pour les femmes cadres, nous voudrons faire l'enquête sexiste pour les femmes non cadres, et nous voudrions aussi faire une étude, donc soit sur les femmes employées, soit sur des femmes non qualifiées, en tout cas sur la précarité du travail féminin, qui ne prenne pas l'axe du temps partiel, parce que je sais que vous avez travaillé, vous, sur le temps partiel l'année dernière, avec le rapport, notamment, c'était Françoise Bidevski, je crois, qui avait beaucoup travaillé, c'était dans la section travail, il me semble, hein, voilà. Donc, je sais aussi que la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale a travaillé sur le temps partiel. Donc, nous ne voulons pas revenir sur le temps partiel, d'autant que la DGT, aujourd'hui, doit nous faire un bilan des accords temps partiel et des dérogations aux 24 heures avec les contreparties associées à ces dérogations. Donc, on aura là aussi une mine d'informations. Mais nous voudrions travailler sur cette population qui est un peu plus invisible dans nos radars et qui nous pose beaucoup de problèmes. Donc voilà, si vous voulez, un peu le périmètre général de notre Conseil supérieur, qui est une très vieille dame, hein, qui date des années 83, un peu rénovée en 2013, mais qui n'a pas beaucoup d'encadrement. Qui n'a pas beaucoup d'encadrement, qui n'est pas beaucoup accompagné, hein, en force vive, et qui pourtant est centrale, puisque je vous rappelle que le Haut Conseil à l'égalité traite de tous les sujets égalité, sauf de l'égalité professionnelle. Donc nous avons le Haut Conseil à l'égalité pour tous les sujets, et puis le Haut Égalité et le Conseil Sup pour les sujets égalité professionnelle. Donc on est comme ça, il y a deux têtes, hein, en dehors évidemment des délégations. Mais voilà un petit peu nos orientations.